Alors. Faut que je me dépêche de désamorcer les bombes. Elle l'a bien étouffé. J'aurais pu faire mieux. Les bombes ne vont pas se désamorcer toutes seules. Dynamite. Les démons qui braquent un véhicule blindé! Ça m'étonnerait que ce soit pour financer un visite d'anniversaire! Sincèrement, entre nous, vous avez eu une...
enfance difficile? Un papa démon trop présent? Une maman démon négligente? On dirait que les démons cherchent un sacré financement. Attention, des fugitifs ouvrent le feu à bord de véhicules volés. Incident en cours près de Grande Centrale. Attention, spoiler! Vous êtes défoncé? Ou juste idiot? Je choisis de rater ou de m'écraser! Hé, ça c'est pas sympa! A plus! Vrai film de science-fiction post-apocalyptique. Vu l'état de la ville, on n'en est pas loin. Qui a essayé de me troller, comme disent les Jets, en affirmant que Spider-Man rendait service à la communauté en bouchant les fuites des châteaux d'eau. Laissez-moi vous dire pourquoi cette cervelle d'araignée se... Les prisonniers, ils étaient sacrément armés.
collecteurs dorsaux. Ça a l'air dangereux. Hé, vite un peu! Ça a l'air dangereux, vos trucs! Le pire, c'est que, vu l'état de la ville, j'aurais bien besoin d'eux dans mon camp. Ok, Pete. Ce labo dispose de mangeoires pour attirer les oiseaux et analyser leurs fientes. Ouais, j'ai fait un master de gestion pour analyser du caca d'oiseau. Bon, plus sérieusement, tu sais sûrement qu'ils sont porteurs de maladies et nous devons nous assurer qu'ils ne posent aucun risque. J'avoue que j'aimerais être là pour profiter de ton humour scatologique. Oh non. Les pigeons sont porteurs d'une souche virulente de grippe aviaire. Et elle a déjà muté pour atteindre une forme qui peut infecter les humains. Ok. Il y a tout ce qu'il faut dans le labo d'Harry pour développer un vaccin. Je dois agir vite, ou les pigeons risquent d'infecter la ville entière. L'idéal serait de le diffuser à 3 points de migration importants. Et je sais déjà où il se trouve grâce à cette station. Le premier point de migration se trouve dans un parc. Les oiseaux devraient pouvoir propager le vaccin entre eux. Les pigeons ont accepté que je m'incruste dans leur milieu naturel. Je leur dois bien ça. Je suis sûr que les Avengers n'ont jamais une mission avec Defiant. Et voilà! Le vaccin se diffuse dans l'air. Il suffit de le vaporiser dans les arbres. Ok, un de fait. Il en reste deux. Les pulvérisations sont inoffensives pour les humains et les animaux. Et soigneront les pigeons. Nous les transformerons en zombies. Et encore un. Je me demande ce que Jameson va encore inventer. J'imagine bien, Spider-Man empoisonne l'atmosphère, ou un truc comme ça. J'adore aider les animaux. Ils ne traitent pas de danger public, et ils ne tirent pas dessus. Est-ce que ça serait vraiment exagéré si j'ajoutais vétérinaire à mon CV? Bon, ça devrait faire effet rapidement. Je vais contrôler quelques pigeons pour en être sûr. Ça a marché. Pas un seul pigeon zombie. Nikola Tesla nourrissait les pigeons ici. Comme la mère d'Harry. Je lui en aurais bien parlé, mais... il répond ni aux appels, ni aux SMS.
43, fourgon de police pris d'assaut. Besoin d'unité. Flatiron, terminé. Même pas besoin de leur courir après. Ils se regroupent tout seuls. Vous avez une drôle de façon de remplir vos constats, vous. Spider-Man, mon traceur a repéré d'autres personnes qui étaient à la fête et qui ont peut-être... Voyez, c'est Ethan Albright, étudiant en biochimie. Il n'est pas venu en cours. Mon programme l'a repéré sur une photo, mais sur d'autres images du même endroit, il n'est plus là. Ça reste une piste. J'essaierai de retrouver l'endroit. Merci. La photo de Philippe est encore ma seule piste. Je dois retrouver cet endroit. Sur la photo, il y a des voies de métro aérien. Comme on en trouve à East Harlem. Parler à Carlos. Il se sentait bien jusqu'au barbecue. C'est après la fête d'Halloween qu'il s'est passé quelque chose. Une réaction différée. J'aime pas ça. Y a peut-être des bombes à retardement corrompues qui se baladent dans Manhattan. Y a pas de rail de métro aérien au sud de l'université. Je dois aller vers le nord. Le métro aérien, c'est peut-être Harlem ? La corruption de Lee est effrayante. Personne n'est à l'abri. Je suis habitué à l'agressivité de certains New-Yorkais, mais là, c'est autre chose. Les compétences de Philippe sont impressionnantes. Heureusement qu'il me file un coup de main. Je crois que ces voix sont à East Harlem.
Je crois que c'est assez loin au nord de l'université. Ce sont des voies de métro aériennes. C'est pas les bonnes voies. Je devrais essayer celle d'Istarlem. On dirait qu'il y a un pont tout au bout des voies. C'est là. Pas d'étudiants corrompus en vue, mais a priori, ils étaient ici. Il s'est passé quoi? Des espèces de malades s'en sont pris à nous. Et ils devaient être sous drogue. Ils ont remonté la rue. Il faut que je les retrouve avant qu'ils fassent plus de dégâts. Ah, pitié! Les voilà. La plaisanterie a assez duré. L'IA a corrompu beaucoup de personnes à la fête d'Halloween. On sera plus tranquille quand je vous aurai remis dans votre état normal. La porte est fermée. Pas le temps d'attendre qu'on m'ouvre. Je crois que c'est bon. Je buvais mon latte en repensant au jour où je m'étais fait braquer. Et puis... j'ai vu une foule, et c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton. T'es plus en danger. Mais à mon avis, tu devrais arrêter le café. Chers amis, j'ai eu vent de témoignages troublants. Spider-Man, dans les jardins publics, là où jouent nos enfants, s'en prendrait à des pigeons. Oui, oui, des pigeons. C'est à se demander s'il n'est pas devenu dingo. Question tout à fait légitime. Mais avez-vous entendu parler de l'araignée Goliath mangeuse d'oiseaux? Je vous passe les détails répugnants, mais c'est une amygdale assez grosse pour manger des volatiles. Ok, Spider-Man grimpe au mur comme une araignée. Il bondit comme une araignée. Mais que fait-il d'autre? Comme une araignée. Thank you.
Cette petite virée doit prendre... Hé hey, vos plaques sont pas en règle. Il faut que je les arrête avant qu'ils blessent quelqu'un. Bienvenue au drag. Voilà pourquoi j'ai jamais passé mon permis. Et surtout, mes toiles font très bien l'affaire. Équipe de sable, vous pouvez faire le point sur Murray Hill? On a ordonné la dispersion d'un groupe de... et appréhender quelques individus récalcitrants. Je peux pas laisser Sable brutaliser des innocents. Il va falloir qu'on cause de votre notion de la sécurité. Empêchez-le de tourner. De renfort, agent aux prises avec des snipers. Intervenez immédiatement à Union Square. Prisonnier avec des fusils de précision? Pas très rassurant. C'est moins douloureux. Oh, une embuscade ? Pour moi ? Je connais pas !
retour au mode Speeder Ninja. Quand ils sont évanouis. Mince, il a eu qui ? J'ai besoin d'aide. Spider-Man, j'ai un autre étudiant disparu. Le dernier disparu s'appelle Steve Hopkins. Ce qui m'inquiète, c'est que des hommes de Tombstone ont commencé à dealer dans son quartier récemment, et que ça le rendait malade. Jusque-là, il avait trop peur pour agir. Mais s'il est corrompu, il pourrait déchaîner sa colère contre eux, et il risque de le payer cher. C'est la dernière image que Steve ait publiée avant de disparaître. J'ai rien trouvé de plus récent. C'est sûr que c'est dans l'Upper West Side. Je pense qu'il faut que j'aille au nord. Philippe, qu'est-ce que tu peux me dire sur Steve ? Il est pas très grand. Il ferait pas de mal à une mouche. Même s'il le voulait, je suis pas sûr qu'il pourrait. Les dealers risquent d'en faire qu'une bouchée. Et s'il est petit, il pourrait craquer plus vite. Y a pas de temps à perdre. Donc je cherche un parc près d'un plan d'eau au nord-ouest de l'ESU. On dirait que Steve a plein de responsabilités, mais pas de pouvoir. J'espère que j'arriverai à temps. Les hommes de Tombstone sont pas aussi coriaces que leur boss, mais ils sont presque aussi dangereux. Il y a de l'eau à l'ouest des arbres. Ça réduit les possibilités. Ah.
Voilà le parc. La photo a dû être prise quelque part par ici. Si je vois un parc dans le West Side, près de l'eau, je saurai que je suis sur la bonne voie. Je crois que c'est ici, du côté de ces... Hey, mais t'as envie de mourir ou quoi? Oh les gars, si on donnait une leçon au petit jeune? Ce petit corrompu s'est attaqué à plus fort que lui. Il va falloir que je le sauve avant de le soigner. Ces hommes sont armés. Je peux peut-être en neutraliser discrètement. Mais c'est foncé. Bouge pas. Je ne sais pas gagner. Ne te dérange pas. C'était cool. Tout va bien, Steve. Viens. Steve ? Hé ! Je viens de te sauver ! Qui aime bien, châtie bien. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai que j'ai jamais aimé ces types. Mais là, j'avais carrément envie de les tuer. Je préfère pas y penser. T'en fais pas. T'y es pour rien. Qui ont vu Spider-Man voltiger exprès à travers des volutes de pollution? Est-ce qu'on fait ça quand on est sain d'esprit? Je vais vous dire ce qui se trame, à mon avis. Quand j'étais dans la fleur de l'âge, les délinquants juvéniles sniffaient de la colle pour planer. Connaissant la moralité douteuse de Spider-Man et son goût pour les sensations fortes, je pense qu'il y a effectivement un parallèle à dresser. Mais inhaler des substances toxiques, ça endommage le cerveau, ce qui expliquerait bien des choses sur Spider-Man. Il virevolte dans la ville, défoncé au smog. C'est un sacré accident, ça. Ça a l'air grave. Ici ! Aidez-moi, je vous en prie ! Au secours ! Merci, champion.
suis là. Restez calme. Spider-Man, des types ont braqué une épicerie et sont partis comme des malades. C'est eux qui ont causé l'accident. Je dois trouver les responsables de ce carnage avant qu'ils fassent d'autres victimes. Si, j'ai cru que je le dis. Je vais les perdre! Il faut que je me dépêche! Je crois que vous avez oublié de faire un constat avant de partir! Faut le droit! Livraison de Villa! Il y a beaucoup de bruit à New York. Mais mon masque peut isoler les sons étouffés. Par exemple, ce que ferait une victime bâillonnée. Vous êtes hors de danger. Oh, j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. Merci. Oh non, ils reviennent! Ce type a mérité de racler, Spider-Man. T'en veux une aussi? Une rançon. Alerte, on nous signale qu'une émeute est en train d'éclater dans la rue. L'incident a été... signalé dans le Meatpacking District. Faut que j'arrête ces prisonniers avant qu'ils ne tuent quelqu'un. Les flics sont pas assez...
Le raft doit vraiment vous manquer. Moi, à votre place, je serais déjà à Vegas alors qu'il est. Ville. Il faut vite que j'arrête Lee et Otto. Ces prisonniers n'ont rien à faire. Les gars, on va discuter ou se battre. Ah ouais, c'est bien ça. Essayez le contact, butez le pilotage. Bien que les prisonniers profitent de leur liberté pour faire autre chose que tout casser. Genre du tricot ou jouer à la belote. Un vrai danger. Ouais, j'adore la belote en plus. Alerte, des individus armés s'en prennent à un fourgon de police. Rendez-vous dans le nord d'Houston, terminé. Même pas votre dévouement envers vos amis fait chaud au cœur. J'espère que vous serez tous dans des cellules voisines. Pierre, les gars, on a besoin de renforts. Let's go!
avez jamais vu de film d'horreur, c'est comme essayer de regrouper des chats. Des chats criminels. De sable, tenez-nous informés de la situation dans le nord de Houston. Centrale, transporte en vous à la poursuite d'un groupe d'évadés. Spider-Man, butez-le! Que j'ai pas commandé d'agent de sable. Qu'est-ce qu'il faut pour battre ce type? Leur virée et leur prière est officiellement terminée. Bien joué.